Là, logiquement, on va vers le nord, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Alors... Ouais, ça devrait être en haut de cette colline. Ah bah voilà. Quand on appuie le sol comme ça, on a peur. C'est que tu dois avoir vraiment une bonne distance d'affichage. Non, parce qu'en fait, quand on est en vue intérieure et que tu redresses comme ça, nous on voit que le ciel. Ouais, c'est sûr. Alors du coup, ça nous donne l'impression qu'en fait, t'es vertical au sol. Et qu'on va s'écraser dans pas longtemps. Non, suivant du sens d'affichage, ça va. Sinon, je jouerais pas au sniper. C'est pas faux. C'est qui déjà qui rentre là? C'était lui, je crois qu'il avait qu'une part. Alors, moi j'ai un peu des trucs à vous donner. Ça c'est quoi déjà? Est-ce que tu serais capable de me dire ce que c'est, ce que je pose par terre? De silver, je crois que j'ai ça. Tu poses par terre. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le Jammerhead, c'est cool ça, je crois, c'est pour construire. Il y a besoin de ça pour construire les trucs en métal. C'était dans l'équipement ça, non? Ah non, c'était dans le machin, ah, d'accord. J'imagine qu'il faut refaire un marteau en prenant du wood pal. Ah ouais, d'accord. Ça sert à faire un marteau donc. Sinon, j'ai un peu de morphine. Antibiotiques, je garde. En fait, le peu de trucs pour soigner qu'on a, je suis pas trop m'amuser à le vendre. C'est vrai que du coup, avec ton sac, t'as pas dû récupérer grand chose. Ah, c'est surtout que j'ai tout récupéré, mais il y avait rien de plus. Je prépare pas l'avance ce que je vais faire sur les lives, par contre, pour l'instant, je suis à fond sur ce mode et puis je pense que je vais rester pendant encore un moment. Alors, je vais m'acheter la roue du coup. Merde, non, c'est pas lui. Imposteur. Need four more silver. Ah merde, c'est 4 silver. Bah, vois quand même pour vendre, genre. C'était quoi au niveau médical de type morphine, épipène et bootbag? Épipène, je revends si tu veux. Ouais, revends toutes tes épipènes, ça sert à rien ça. J'en ai qu'un, mais je le revends. Et du shampoo, je vais boire. De toute façon, là pour l'instant, ça va être vendre pendant quelques temps. On va essayer de choper la bagnole et tout ce que tu rateras. Si j'ai peut-être des munitions qui servent pas. Du style chargeur Makarov. Bon, on va garder. Il est où, Ellie? J'ai un silver. T'as chopé combien d'épipène? Un. Il y a un truc sur Lift and Love, Hinton. D'accord. T'as qu'un seul? Ouais. T'as quoi d'autre au niveau Blood Bag et Morphine? T'as combien? Alors au niveau Blood Bag, j'en ai 2, je crois. Oui. Et Morphine, j'en ai 1. J'ai 4 bandages, je peux en revendre un. J'ai un antibiotique. Avant un Blood Bag, j'en ai plein à l'entente. Soit. Comme ça, ça nous fera les 4 silver pour la roue et on aura une voiture. Ça sera quand même un peu plus discret pour aller piller que l'hélico, quoi. Et Hello Kitty est pas prêt d'être de retour, les gars. Parce que je vous préviens, on a mis le serveur avec une configuration plus normale. C'est-à-dire qu'on commence pas avec les 10 gold qui avaient permis d'acheter la voiture Hello Kitty. Les 10 gold, ça va mettre un sacré bout de temps avant qu'on les ait, et ouais. On aura certainement mieux à acheter entre temps. Mais, on bien reprendre le Dieu Kitty. Alors, donc, du coup, j'ai fouillé dans ton sac. Si tu mets dans ton sac. Je t'ai mis les lingots par terre. Ah, d'accord, carrément, toi. T'es un ouais. Fou, toi. T'es un terroriste. T'as fait le Vietnam, toi, ma parole.
Non, c'était les 10 os que j'ai en fait. Ça ok, va, en monsieur, fait, je les avais. Monsieur ne se refuse rien. Alors attends, ça va être le bordel du coup, parce qu'avec mon sac là. Ok, alors. Bah du coup, je te laisse reprendre tes deux silver. Ouais. Parce que sinon, j'aurais pas la place. Ils sont par terre. Ouais, ouais. Attends, je le remets par terre. Hop, voilà, je les mets dans le sac, c'est plus sûr. Bah, drink, hop là. Pas d'année rentrée. Alors. Bon, je vais vendre les chargeurs aussi alors. Si ça se vend à un prix intéressant, oui, sinon autant les garder. Ok. Alors si c'est que du copper, autant les garder quoi. Ouais, 3 copper. Ah bah autant les garder. C'est ridicule, 3 copper, c'est 3 bouteilles de whisky quoi. Et c'est autrement plus pratique quoi. Ok, j'ai une roue. Attends, je vais voir combien coûterait un sac un peu plus gros. Les sacs coûtent quand même assez cher. Hein. Et c'est. Ça fait partie des choses que je dois encore éviter. J'ai une roue sur moi. Non. Ne fais pas ça, tu vas le regretter. Je suis pas sûr. Par contre, la chèvre, elle va le regretter d'être passée dans mon champ de vision, elle. Oh, ce serait pas con, ça. Y a plein de bestioles qui se baladent, je vais faire le plein de bouffe. Mais saloperie de... Chavroux, du calme. Au pied. Tiens. Je peux pas tirer, mais je peux te donner des coups de hache. Je sais pas si ça marche sur les joueurs, mais en tout cas, ça marche sur les bestioles. Oh, j'ai acheté 2 roues. Bon, bah, on manquera pas de roues. Ah bah oui, du coup, il m'a acheté toutes les roues qu'il pouvait. Ah, le con. Bon, de toute façon, ouais, je pense que des roues, on va pas tarder à en perdre quelques-unes. Hein. Ça va vite, ça. Au moins on peut remettre 3 roues neuves. Moi je vais prendre des munitions pour mon pistolet. Est-ce que j'ai une boîte à outils? Non. Est-ce que vous en avez une pour moi? J'ai que la mienne. Ok. Alors je vais voir combien ça coûte. Ah, j'aurais plus de place pour choper la bouffe de mouton. Au niveau PV, vous êtes à fond ou... Je suis à 10 000. Ok, bah tu as bouffé du coup. Donc t'inquiète, j'ai de quoi manger sur moi. Non mais j'ai de la viande. Ah ouais, ce sera toujours mieux. Mais bon, ça aurait été l'occasion de vider un peu mon sac. Bah, va vider dans l'hélico. J'y cours.
Alors, ces chargeurs ne me servent à rien. Je vais laisser un painkiller, je vais laisser la roue. Je vais laisser ces fameux parpaings que j'ai trouvés. J'ai laissé un rasoir, je pensais à toi. Ouais, pas con, effectivement. Je laisse une canette, ça. Ça va partir en lettres, sur le chat encore une fois. Mais si elle avait une famille, ce jeu est cru si cruel. T'as vu? Mais je dois survivre. Et quand ce mouton continuera de vivre à travers mon corps, il permettra de régénérer. Il pourra ainsi contribuer à la destruction de la menace zombie. Il y a mon profit personnel, bien sûr. Dès n'oublions pas. Avec du silver, tu peux m'obtenir des oz de copper. Oui, il y a juste à aller voir un marchand puis faire trait de métal. Hein? Putain, mais c'est tellement la gratuité cette zone au niveau bouffe. Là. J'ai pas éclaté à récupérer plus de bouffe que ça. Ce que j'ai dans mon sac, je l'ai fait cuire et puis ce sera bien. Ah, c'est très Pas pratique du de tout. pouvoir faire la monnaie. Bien pensé, ça. Sinon, ça ferait vite ingérable vu que ça prend de la place dans ton inventaire. Ouais, c'est vrai. Ah, comme ça, je me rachète trois chargeurs. Étant donné que j'ai pas de hache. Du coup, on t'attend et on décolle. Ok. Alors, je vais repasser le point à peu près là où c'était. Il devait être ok par là. Ça coûte ça. Et Twitch, j'ai beaucoup de mal ce soir. Donc, si jamais vous êtes sur le live et que vous avez du mal à avoir le chat ou quoi, n'hésitez pas à faire un refresh. Hein. Est-ce que tu aurais 8 copeurs à me passer? 8 exactement, non, j'en ai 7. Ah, bon, alors attends, C'est pourquoi? Pour me prendre une hache, pour justement éviter de gaspiller toutes mes munitions. Après, on a encore pas du tout fait d'opération de récup. Donc on verra ça. Si on Bon, à la arrive à limite, avoir. je peux encore survivre sans quoi, donc ça, ouais, c'est bon. À la limite, je garderai ma hache et puis je te passerai les chargeurs. Hop. C'est bon.
Oh, le mode est fait par des Français. Oh, c'est bon de savoir ça. Le mode est poche. Apparemment. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait en anglais? Parce que la plus grosse communauté est anglaise. Je sais, malheureusement. Ah, le mode low est tif. D'accord. Ah, mais ils auraient dû pouvoir prévoir la version française. Non, c'est... En fait, c'est celui pour choper les véhicules qui est en français. Et qui n'est pas des Français. Une des communautés qui doit galérer le plus, c'est quand même celle italienne. L'espagnol aussi. En espagnol, c'est une langue qui est beaucoup parlée, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de choses qui posent une traduction. Le portugais et l'espagnol n'ont pas grand chose à voir. Ouais, mais c'est... je connais pas beaucoup de jeux traduits en. Pour le Fougèche. Encore une fois, on peut pas dire Ellie qui s'occupe parfaitement même serveur. Ok, alors on va voir ça. Niveau essence, ah non, c'était comment? C'était bien. Ah, effectivement, il y a une roue qui est à 98%, l'engine 62, fuel body. Apparemment, il y a plusieurs roues. Ah, parce qu'il y en a, il y en a qui sont un peu plus endommagés que d'autres. Ah, le fuel tank pue du cul. Il y a une roue qui est aussi bien tonneuse. Enfin, trois même. Je me souviens bien de ce qu'il y avait tout en bas. Bah, à la limite, on a trois roues donc. Bah, on va les mettre au fur et à mesure. Alors, ça avance ou pas? Ça avance! Oh, c'est beau. Allez, je crève un pneu. T'as raison. Ce lapin. Ah, je monte avec toi. Du coup, il faut retourner au camp pour laisser l'hélico. Et me reprendre. Putain, l'engine a pris du dégât dans la gueule. Je demande à quel moment. On sait quand que le temps d'aller dans le jeu. Ça fait un moment qu'il peut jouer. Le cycle aujourd'hui est de 24 heures. Ouais. Au début du live, il faisait nuit, on voyait que dalle. Donc pour l'instant, on va rester au jour. Hein. Ouais, donc on n'a pas de quoi bien y voir la nuit. Et donc, pour la route, vous allez... Alors, attendez, comment on dit ? Bah là, on est... Je sais pas... Ah, faites demi-tour. Faites demi-tour. Ben niqué une roue, alors arrête! Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, ouais, tu m'expliques alors pourquoi on va tout droit? Non mais on retourne pas au trader là! C'est un raccourci. Non, c'est pas vraiment un raccourci hein. Après, je vous laisse vous démerder, vous êtes des grands garçons. Mais je veux pas... Bon, on va à la base. Oui. La base près du lac, je rappelle. C'est où ça? Bah tu aurais dû rester sur... tu devrais revenir et puis retourner sur la route principale. Parce que je sais pas où t'as décidé d'aller, mais...
peur. Oui, parce que vous êtes pas si du coup. C'est bon, je retente sur la route. J'ai pris les commandes. Ah, je vois. Alors, poste stationnaire. Donc tu vas remonter la route et tu vas prendre à droite une fois que tu seras arrivé vers la station essence. Enfin, avant la station essence. Ah, attends, déjà je cherche la route, voilà. Donc ensuite Sinon j'ai encore peur de ce que tu vas réussir à faire si je suis pas là pour chaperonner. Ça fera 80$. Alors Viens vers moi. Tu vas partir en cette direction, tu vas aller tout droit. Et il faudra que tu tournes à droite avant une station service. Ok, je m'arrête de faire le plein ou non, ok, pas besoin. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Hop. Oui, Proto, je pense que vu. Proto, de toute façon, je l'aime bien rien pour ce qu'il a dit sur les animaux d'hier. C'est vrai qu'hier, il cherchait un serveur qui avait l'air tranquille. Mais bon, il cherchait un serveur avec des joueurs, donc s'il n'y a que nous. De toute façon, pour info, sur notre serveur, ce sera uniquement du PVE, pas de PVP. Je sais pas si ça va intéresser. Tournez à droite avant la station essence. Ouais, je vais passer vite fait faire le plein. Oui. Et il qui a jamais vu un taxi qui conduit aussi mal. Il a pas voulu conduire. Mon dieu, la secte des bananes, je sais pas si je vais pouvoir vous tolérer très longtemps. Oui, j'ai vu la camionnette de pédobière sur le chemin. Bah c'est une comme ça que j'avais à la base. C'est quasiment full green, je sais pas si elle y a encore. Vous la croiserez certainement sur le chemin. Elle démarre? Ah oui, c'est bon, t'es derrière moi. C'est Yeni déjà en train de chier dans son froc, je t'avais prévenu. J'attends la prochaine intersection.
celle-là, par exemple. Ah, du coup, vous avez pris les deux bagnoles. Alors, j'ai aucune idée de l'endroit où je suis. C'est la bonne nouvelle. T'as continué tout droit après la station? Ouais. T'as bien pris à droite avant la station? Oui, oui. Normalement, tu as juste à continuer tout droit. Bérésina. Tu traverses sur la Gorka, tu continues sur une route, ce sera une route un peu dégueulasse, mais quand même en béton. Tu continues sur cette route-là, tout droit, tu tournes pas. Et tu arriveras à Novi Sobor avec une route de nouveau en deux voies, et tu prendras à droite sur cette route et tu continueras tout droit, ce sera où? Ok, bon, alors on va se retrouver déjà à Novi Sobor. Et la bagnole que j'ai repérée a disparu. On va essayer de la bouffe dedans, ça sert à rien de se trimballer 4 tonnes de baouf. La route sert à rien de laisser celle-là. Chargeur Makarov non plus. Là, je vais prendre les deux bandages qui sont... Non, je vais prendre ceux qui sont là plutôt. Les briques, pareil, ça sert à rien de celle-là. Donc... Salut Joe. Il est celui addict d'ailleurs en fait, j'ai pas vu. Ok, donc on est à Novi Sobor. Il m'a encore semé. Donc à Novi Sobor, vous prenez à droite. Direction... C'est la double voie. Direction Cabanino. Non, c'est direction Novi Sobor. Oui, Cabanino derrière. Probable. Ok. Alors, on se fait tirer dessus, enfin, il y a des mecs à côté de moi qui tirent. Je sais pas s'ils sont gentils ou méchants, mais j'en ai croisé un. Ah, c'était un gentil. Bon, tant pis, je lui ai volé son stuff. Sauf si ses potes te tuent. Non, oh, mais il y en a de partout. Non, viens, on se barre. Il y en a encore devant moi et tout. Non, c'est bon, on s'en va. Je peux te donner deux noms d'un serveur qu'il faut pas aller en tout cas. Alors, Ellie, si tu étais à Novi Sobor, fallait prendre à droite sur la double voie. La direction opposée à la station essence. Qui semble y avoir. Ensuite, à partir de là, en gros, ce sera tout droit jusqu'à Cabanino. Et à Cabanino, faudra prendre à droite. Cabanino, c'est la deuxième ville. De là, ce sera tout droit. Alors moi, je vais voir le matériel. Matériel... Oula. Il semblerait que ce soit une bonne idée que tu ralentisses un peu, Nico. Nako. Ouais. Merci, Nico. J'attends.
Les boissons ça sert peut-être à rien dans l'excès au temps. De toute façon c'est que sur les lignes droites que j'accélère, je t'attends au tournant, les trucs comme ça. Aux intersections. La dernière fois que je mange, je prends la boîte. Pourquoi tu les filtres pas en avis, plus d'essence? Non, le problème c'est que ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut une voiture pour pouvoir faire des pillages sans aggro toute la population zombie du coin avec Nico. On est à Cabanino. Cabanino, à la sortie de la ville, vous prenez à droite. Direction Grishino. Normalement ça doit être ça, ouais. Demi-tour non, parce que là. C'est direction Vibor. Ah. Ah, ok. Mais tu seras sur de la double voie tout du long. Hey, go, c'est bon. Et parce que l'hélico c'est cool, mais ça fait du bruit, quoi. C'est à droite. Et là-bas, il y a un avion. Tu touches pas à l'avion pour l'instant, s'il te plaît. On verra plus tard, promis. Pour l'instant, tu touches pas à cet avion. D'accord. Même pas tu le goûtes, je veux pas le savoir. Alors attends, on est où là? Tac, ok, non c'est bon. Tout droit. Après Cabanino, ce sera Vibor comme ville que tu traverseras. Il y aura une grande cheminée apparemment sur ta droite. Oh, tu m'as dit quelle ville? Vibor. T'auras okay. Normalement une grande cheminée à l'entrée de la ville sur ta droite, et à la sortie t'auras une station essence, et là tu continues toujours ton droit. Faut s'arrêter à la prochaine station, à Vibor il y en a une. Alors la cheminée... Ah, Joe, le problème du raid c'est que si t'allais tu as les loot qui pop pas parce que tu seras arrivé trop vite avec l'hélico, bah t'es baisé quoi. Et c'est quand même plus pratique de garer une voiture que de garer un hélico, si je puis dire. Tu me dis dès que t'es ok. Je suis bon, j'aurais fait un faux trafic, moi. Alors, Vibor. Donc après, direction le... Ok. Pour la suite, ouais, donc tu t'es mis au même endroit. Oui, oui. Ok. Après Vibor, c'est toujours tout droit. Le standalone, je sais pas trop quand même, parce que d'un autre côté, tu vois, par exemple, la mode comme Epoge, enfin, Époque, je sais pas quoi. On va dire Époque, ça sonne mieux quand même. Est très bien, et je pense qu'on sera loin des possibilités au niveau construction que proposera le standalone. MTT, Zodia DFR, pour jouer à l'époque, pour avec moi. Ah, Hello Kitty! Elle va bien, j'ai une Hello Kitty!
Alors, ce que je te conseille, c'est de prendre du coup mon 4x4 qui va plus vite. Et du coup, bah, après de tracer là-bas. Alors, juste, on va faire une réparation sur le moteur. De toute façon, je pense qu'elle bougera pas, hein, parce que c'est vraiment pas pratique comme truc. La Hello Kitty? Et Ah, tu veux pas Proto, que je la prenne? si prenez-la pour le délire, comme ça ce sera fait à la place du van. Ok. Si vous pouvez la prendre sans trop de risques, bien sûr. Genre s'il n'y a plus d'essence, voilà quoi. Non, c'est bon, juste le moteur il risque d'exploser si j'ai un choc. À part ça va. J'ai déjà survécu à ce genre de choses, donc ça va. Je rappelle que Nako va prendre une Smart Hello Kitty avec le moteur qui est sur le point de péter s'il prend un choc. Moi je dis ça, je dis rien, vous pouvez commencer à prendre les paris sur s'il va crever ou pas. Je m'éloigne. C'est un early access. Ouais, on verra bien. Et donc si tu cherches un serveur avec Epoch. J'ai survécu! Bouleyman est bien Elle a pas présent. explosé, elle a pas explosé. Pas encore. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors si tu cherches un serveur avec Epoch et FR, il y a MyDZ, il paraît, qui est apparemment très bien. Et normalement, ils ont un TS. La musique peut être parfois assez stressante, oui. Pour info, la playlist qui tourne, c'est des musiques de StarCraft 1 et 2. À votre rencontre, moi je resterai pas à rien faire. De toute façon, à partir de maintenant, normalement vous roulez tout droit et c'est bon. Oh Joe, c'est pas encore gagné, hein. C'est pas encore complètement décidé, hein. Il peut encore très bien avoir un retournement de situation et pouf, Hello Kitty. Tant que je suis pas arrivé, c'est que ce n'est pas gagné. Leur TS, l'autre coup, était assez vide quand j'avais été. Mais c'était pas le soir, donc va savoir. J'ai pas été en bonne direction, bon. Ah, il est la route. Les côtes au fluo. Attends, je vais faire un plein. Il est RP? Ah bon, pas fait gaffe. Oh oh. C'est survivant ça? J'ai pété une roue. Ah, ceci, t'as pas Ah. de problème. Et. Non, c'est les survivants Et moi, normalement j'ai j'ai toujours pas pas cassé ma voiture. Est-ce que t'as de quoi la changer? Non, il n'y a pas de toolbox. Bon, bah, je suis parti pour aller rechercher l'hélico. Hein. Non, mais il nous reste la Hello Kitty, mais Oui, mais on peut rentrer qu'à deux dans e-smart. Ouais, c'est ce que je suis en train de penser. Donc à la limite, il faudrait que tu nous rejoignes avec ton hélico, qu'on répare le pneu. Eh ben, on n'est pas sorti du sable, hein. Mais t'es où? Bah, je suis à la base, moi. Non mais notre ami. Salut Joe.
Oui, tu passais. Et les Allemands sont apparemment très sympas, oui, enfin, dans la communauté MyDZ, on va dire, vu qu'ils ont plusieurs serveurs. Et il y a notamment qui passe sur serveur un youtubeur que je suivais et qui m'a fait découvrir des aides, donc en qui j'ai plutôt confiance, donc ça devrait le faire. C'est beau. Mais où est-ce que t'es? Le mec s'appelle Eagle. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, je crois que c'est E-I-G-L. Ça s'écrit son pseudo. Je crois qu'il y a un E à la fin ou pas, je sais pas. Comment tu dis qu'il s'appelle? Eagle ou Eagle, comme tu veux. Ah. Ah, tu es là, d'accord. Ah bah ça va quoi, au niveau des aides, on a eu de quoi faire. Hein. C'est que Eagle, c'est quand même dommage qu'il ait arrêté quoi. Normalement, il s'en sait reprendre, mais j'attends plus gros. Une fois quand j'arrive vers vous. Là, j'ai dû vous passer, je pense. Je sais pas, t'es où? Bah, étant donné que là j'avais été à la Patino, vu qu'il y a une station essence. Je suis en train de ralentir un peu du coup. Est-ce que tu aurais des bâtons lumineux élixir? J'aurais plutôt une fumigène ou une flair si tu veux que je te repère. Ouais mais bon on n'a pas ça donc. D'accord. Ah, dites-moi un bâtiment reconnaissable, je vais en sortir. Dans un trou paumé. Ah, t'as forcément un truc à reconnaître quoi. Attends. Ah oui effectivement il y a une maison là-bas, je l'avais pas vu. Une maison sur le bord de la route avec une cheminée. Je dirais une maison à deux étages. Couleur? Couleur, j'ai un peu de mal à voir d'ici. Verte. Ouais, je dirais verte. Ah, et là-bas, un peu plus loin, je vois des bâtiments industriels, je crois. Mettre la voiture rose en évidence. Mais gueule, c'est bien un youtubeur du début. Incroyable. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait, Lico, mais je sais pas. J'ai toujours raté encore une fois, je crois. Mais de toute façon, entre Vibor. Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à la Patino? Non? Bah moi je suis arrivé, là on est juste avant
sais pas si tu te souviens, la grange, juste avant le virage, où c'est qu'on pouvait se recharger en essence. Tu vas pas me dire que vous êtes allé trop loin. Non, je suis pas trop loin. Mets ta carte et dis-moi où tu penses à peu près être. Je pense déjà que le patino on a passé. Et qu'on est sur quelque part sur la route entre la courbe et le patino. Voilà, je peux pas être plus précis que ça. Vous n'avez pas entendu passer? Non. C'est que vous êtes allé trop loin. Comment ça trop loin? La base est plus en bas de la montagne, elle est vers le lac. Je l'ai jamais trouvé ton lac. Oula, il y a un zombie là, non? Ah oui, effectivement. Ah oui! Oui, il est méchant même. Alors, juste évite de bouger si tu veux que j'essaie de lui mettre une balle. Ouais, non, maintenant ça marche plus trop de prendre des coups. Ah, je t'entends. Pas trop où c'est que t'es. Ah, t'arrives vers nous là, un peu plus devant. Devant, tu dirais? Ouais, pas ouais, derrière, non, avance. On est devant toi, je te vois. Attends, oui, j'essaye de le tuer, mais tu bouges trop. Je le vois bugger maintenant. Oh là là, bon, t'arrêtes pas de courir. Et je le vois bugger le zombie, c'est pas ma faute. Je vois faire il se téléporte. Alors oublie ce que je t'ai dit et cours. Où c'est que t'es? T'es où là? Là je vole pas. Descends. Attends non, c'est une tache au plafond que je vois ou pas? Ah non oui. On est à 400 mètres sur ta gauche, pivote un peu et avance où là? Tu viens de faire quoi là? Je viens de balancer les verres. 400 mètres sur la gauche. Pour ouais, toi, je suis du même côté que la route que toi ou suis-je de l'autre côté? Continue au nord. Je sais. Continue au nord. Ah, tu vas au sud? Non. Ah non, pardon. Faut que j'aille au sud. Non, c'est bon. T'étais dans le bon sens. Allez, on est en train de mourir un petit peu. Tu fais ce que je peux, moi. Mais j'aimerais bien. Déjà, ce machin, ça se bille, ça s'avance comme une baleine à un tas de gastro-entérite. Alors, si en plus vous. Ah, homme. On est là. Ah, effectivement. Allez, ce hélico, normalement, il pourra pas vous taper. Je saigne. Ouah, je me fais tirer dessus. Non. Quoi? C'est Ellie qui a tiré. Il veut mourir cet enculé de zombie, oui. Merde, je suis mort. Bon, on va éviter de tirer la mitrailleuse là dans le tas, on sait jamais. A tous les coups, on va plus se tirer dessus que sur les zombies.
Bon, voilà. J'ai plus de mine. Et c'est rendu pavé mérite pour mon viseur. D'accord, merci. Je m'occupe du dernier. Enfin, des derniers. Reviens sous les hélices. Ah. Ils peuvent pas aller sous les hélices, c'est un bug. Ah, tu te sens con, là. Ah, t'es niqué. Hein. Bon, tirez pas, je m'en occupe. Vas-y, je te couvre. Prêt? Putain. Mais tu vas... Mais il bug à moitié le truc, quoi. Et c'est là que tu le vois mourir. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Alors j'avais beau tirer et beau essayer de les viser, il se passait rien. Oui, c'est des beaux zombies buggés que vous avez trouvés, là, madame. Il fouille un peu, on sait jamais. Ouais, me fouille, elle est. Moi, je vais réparer la bagnole. Donc, ouais, vous avez été trop loin. Mais faudrait, c'est vrai qu'il faudrait poser un truc pour repérer un peu le machin pour l'instant. Ça doit être celle-là. Vas-y, test. Sur le droit. Le smart qui passe par là. Alors vas-y, à la limite, on va te suivre en hélico. Je pense que c'est ce qui est plus simple, oui. De toute façon, le temps que j'arrive à me poser. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait genre 2 heures qu'on est là-dessus. Hein. Plus ou moins. Et c'est pas un mariage. Hein. Ouah, tu fais des flammes. Tu fais des feux d'artifice. En fait, j'attends de voir l'hélico, moi, avant d'y aller. Ah, vas-y, c'est bon, tu peux y aller.